L'amélioration constante. Tous les jours, j'aimerais que tu fasses comme exercice pour moi de t'améliorer petit à petit, pas après pas. Tu vas par exemple consacrer 10 minutes tous les jours pour t'améliorer. 10 minutes tous les jours, tu vas essayer d'optimiser quelque chose, un aspect de ta vie, quelque chose que tu voudrais optimiser dans ta vie, une habitude, quelque chose que tu voudrais faire, et tu vas faire ça pendant 10 minutes. Finalement, ça rejoint un peu le principe des mini-habitudes ou bien le principe des petits pas, un pas après l'autre. Eh bien, on peut faire 10 km, 20 km, 30 km. Aussi, c'est la même chose pour une lettre après l'autre. Eh bien, on peut finalement, à la fin, terminer un livre. Il faut simplement être constant et régulier dans ses habitudes. Et si c'est pareil, 10 minutes après 10 minutes après 10 minutes, tu vas arriver à quelque chose de gigantesque. Et vu que c'est seulement 10 minutes, ça réduit tous les risques de procrastination. Et si tu le fais tous les jours à la même heure, ça sera vraiment ancré comme une habitude. Tu seras plus ou moins addict, donc tu vas faire appel à la puissance des habitudes. Ça sera un automatisme après. C'est un peu comme quand tu te brosses les dents ou bien quand tu prends ta douche. Tu ne vas pas penser, ah oui, je dois me brosser les dents. Non, tu penses même pas, tu le fais directement parce que c'est ancré dans tes habitudes, c'est un automatisme. Tu te dis même pas, aujourd'hui, j'aurai pas le temps de me brosser les dents ou bien aujourd'hui, je n'aurai pas le temps de prendre ma douche ou bien aujourd'hui, je n'aurai pas le temps de me laver les mains. Non, tu le fais. Même si ça prend 3 minutes, si ça prend 5 minutes. Eh bien, c'est pareil alors pour n'importe quoi. Si tu le fais tout le temps, régulièrement, eh bien, tu auras la certitude que ça sera fait parce que ça sera ancré dans tes habitudes. On a tous 10 minutes et si tu le fais tous les jours, eh bien, 10 minutes fois 365, je te laisse faire le calcul, ça fait énorme. Donc, ça veut dire qu'une année, finalement, une année, ça passe vite et tu vas réaliser finalement quelque chose d'énorme sur une année en faisant simplement 10 minutes tous les jours. C'est un peu comme l'effet cumulé ou bien l'effet composé dans pour l'investissement. C'est simplement que petit à petit, ça aura un effet de boule de neige. C'est pour cela que c'est important d'y aller et de passer à l'action et de faire ces 10 minutes tous les jours. Tu vas optimiser cette séance de 10 minutes et ainsi tu verras, tu vas te transformer, tu vas être finalement presque un surhomme, mais de manière super simple parce que simplement 10 minutes en faisant cela. Tu peux aussi prendre 10 minutes supplémentaires pour prendre une décision qui va peut-être changer ta vie. Eh bien, peut-être aller vivre ailleurs, devenir digital nomade, faire autre chose, te mettre à ton compte, chercher un client. Eh bien, ça prend aussi simplement 10 minutes. C'est simplement le fait de prendre une décision et d'agir aujourd'hui. Ça ne sert à rien de remettre le lendemain ce que tu veux faire aujourd'hui. Si tu veux aller encore beaucoup plus loin, si tu penses que tu as des progrès encore à faire sur ce sujet, je te conseille un atelier tout frais, tout chaud que je t'ai concocté sur mon site pierrewriter.com, pierrewriter.com, et là-dessus, tu as un lien sur le menu du haut, mes méthodologies, et tu verras, ça s'appelle Belle Vie. Je t'ai aussi concocté un autre atelier qui s'appelle Motivation Facile, dont je suis vraiment très fier. Et sinon, tu as même un autre atelier qui s'appelle Immersion Profonde, la méthode Deep, où je te prends vraiment par la main, on fait ensemble et on voit comment on peut débroussailler son quotidien, son environnement, comment on peut être plus minimaliste pour être plus léger et comment on peut faire beaucoup plus de choses en alternant et en ayant des activités, des types d'activités qui sont différents et qui changent par intervalle dans tes journées. C'est vraiment des choses que l'on parle très peu, qui sont pas très évoquées, qui sont très peu dévoilées finalement, mais qui fonctionnent incroyablement bien. Moi, je te souhaite tout le meilleur sur ce, peu importe si tu prends mes ateliers ou pas. Je suis avec toi et à une prochaine. À très bientôt. Ciao.